Alors ici, on se retrouve sur les places de parc, de stationnement réservées aux services de physiothérapie et d'ergothérapie, avec des places également réservées pour les handicapés. Et à partir de cette porte d'entrée, on aura accès à la physiothérapie et à l'ergothérapie. En arrivant après le sas d'entrée, ici on pourra retrouver sur la droite le bureau réservé aux physiothérapeutes et la réception et la physiothérapie, l'accueil où les patients viennent prendre les rendez-vous de physiothérapie et ergothérapie. Et là on a tout le secrétariat qui donne les rendez-vous. Et ici sur la gauche on retrouve une salle d'attente qui est à la fois commune pour les patients de physiothérapie et pour la consultation de rhumatologie Dr Meyer. Ici, on se retrouve l'accès directement dans le service de physiothérapie. Éventuellement, on peut se désinfecter les mains avant et en sortant du service. Ce couloir va donner accès à droite directement à la salle de gymnastique et à gauche, on verra ensuite à l'accès à la piscine. Cette salle de gymnastique, très grande salle, avec un parterre qui est relativement mou, qui permet comme ça d'avoir de l'amortissement au niveau des patients. Et dans cette salle, plusieurs physiothérapeutes peuvent venir travailler. Donc il y a un certain nombre d'instruments qu'on peut retrouver. Ici, il y a des ballons de rééducation qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'exercices de gymnastique pour le dos, également pour toute la rééducation d'équilibre. Sur votre gauche, vous avez toute une série de différents moyens auxiliaires de cannes qui vont nous permettre de faire toute la rééducation à la marche pour les patients, en fonction du handicap qui est présenté. Ici, sur la droite, un certain nombre aussi de matériel, une table Bobat, sur laquelle on pourra voir un enfant faire la rééducation. Ici, également, différents appareils. Voilà des appareils qui nous permettent de travailler l'équilibre. Ici, un patient aussi avec la thérapeute en train de travailler au niveau du membre supérieur, la musculation des bras, et notre physiothérapeute en train de contrôler le travail au niveau du genou. Et derrière, nous avons également une petite partie pour la rééducation musculaire, qui, quelques éléments de rééducation des instruments ici. Et on verra en arrière une salle de rééducation spécifique pour le entraînement musculaire. Alors ici, on a aménagé dans le couloir des barres parallèles qui vont nous permettre de faire toute une rééducation à la marche sur tous les patients qui ont eu des fractures ou qui ont été opérés du membre inférieur. Et vous voyez qu'on a mis par exemple ici une balance pour pouvoir nous permettre de choisir la charge au niveau du patient. Si le chirurgien demande une charge de 20 ou 30 kg, c'est un moyen qui nous permet d'apprendre au patient à utiliser cette charge-là. Ici, nous avons aussi des cabines de traitement individuelles où les patients sont pris en charge par les physiothérapeutes. Et cette cabine de traitement numéro 4 est réservée au traitement de patients en urogynécologie, puisque l'urogynécologie est quand même une des spécificités au niveau de la rééducation du service de Léman. Nous avons également ce service pour entrée. Ici, différents appareils qui sont utilisés par les physiothérapeutes. Ici, c'est un appareil d'ultrason. Bon, ces appareils émettent des sons et par l'intermédiaire d'un gel ou d'une pommade, ça nous permet d'avoir un effet antidouleur ou anti-inflammatoire pour les patients. Ici, c'est une botte qui nous permet de faire du drainage lymphatique. Le patient enfile ça dans sa jambe et puis on règle certains débits qui nous permettent de favoriser le retour des œdèmes. Ça, c'est d'autres appareils aussi d'ultrasons, enfin certains appareils d'électrothérapie. Ça, c'est un appareil qui nous permet par exemple de faire un traitement spécifique au niveau des cicatrices. C'est un appareil qui aspire la peau et en aspirant la peau, ça permet de décoller si le patient présente une adhérence cicatricielle. Énormément utilisé aussi par les ergothérapeutes. Voici d'autres appareils d'électrothérapie. Ici, nous avons également des cabines de traitement. Donc ici, des cabines individuelles pour traiter les patients. Ici, lorsqu'on rentre dans ce couloir, sur la gauche, ici, on aura un coin dit entre guillemets cuisine, avec deux
systèmes différents. Ici, ce qu'on appelle des fangos. Voilà, ici, c'est des boues volcaniques qui vont être utilisées chaudes au niveau du patient. Pour les dos, par exemple, c'est dans cette cuve ici. Hein, c'est réalisé, ensuite c'est coulé, mis sur ces bacs et gardé au chaud à une température d'environ 50 degrés. Voilà, dans ce petit fourré-là. Et ici, nous avons de la glace. Donc de la glace sous forme de glace pilée, qu'on va mettre après dans un sachet et qu'on va mettre toujours, si vous utilisez la glace, il faut toujours mettre la glace entourée d'un linge mouillé. Si vous n'utilisez pas un linge mouillé, le refroidissement n'est pas suffisant. Ensuite ici, nous avons une cabine spécifique avec différentes densités de lumière qui permet la relaxation et également tout un système d'appareillage pour la rééducation vestibulaire. Ici, d'autres appareils, ça c'est ce qu'on appelle un arthromoteur spécialement fait pour les genoux, qui nous permet après une opération du genou de mobiliser le genou, enfin le plaisir du patient, et ceci c'est spécifique pour l'épaule. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une rééducation assistée au niveau de l'épaule. Ensuite ici, quand on a un service de rééducation, ici on va se retrouver dans la salle de musculation, et là on retrouve différents appareils pour la musculation. Voilà ici une leg press qui nous permet de faire tout un travail au niveau des membres inférieurs. Des appareils ici pour le dos. Ici ensuite un appareil de step. Et vous voyez que là la physiothérapeute est en train d'expliquer à un patient assez handicapé l'utilisation du tapis roulant qui va lui permettre de faire toute une rééducation à la marche. Et l'avantage du tapis roulant que l'on a, c'est qu'on peut monter jusqu'à 25% de pente et 5% de descente. Et les 5% de descente sont très intéressants pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Ça permet d'augmenter la vitesse sans que le cœur puisse augmenter. Nos différents appareils de vélo sont intéressants également parce qu'ils sont tous relayés avec le système cardiaque qui peut être enregistré et ça permet de faire travailler notre patient en vérifiant en permanence sa fréquence cardiaque. D'autres appareils de musculation, et ici nous avons une plaque vibrante. La plupart des gens connaissent ce qu'on appelle les power plates. Et sur ces plaques vibrantes, ça c'est très intéressant parce que 4 minutes d'effort là-dessus, et ça vibre, et ces 4 minutes représentent pratiquement l'équivalent de 4 à 6 km de course à pied. Donc très intéressant pour travailler l'endurance sans effort. Et ensuite, à partir de là, nous avons accès directement à la piscine. Et là, vous voyez qu'il y a certains patients qui sont en train de faire toute une rééducation de physiothérapeute avec tout un matériel utilisé par rapport à l'objectif de la rééducation. Donc là, nous avons la rééducation à la fois individuelle et en groupe pour nos différents patients, que ce soit ambulatoire et hospitalisé. Nous avons également une cabine de traitement réservée spécifiquement aux rééducations vestibulaires dont on a vu le fauteuil qui tournait. Et ici, on a une télévision qui est en relais direct avec des lunettes sur une caméra qu'on met au niveau de l'œil. Et ça nous permet de regarder si les gens ont des problèmes visuels, ont des problèmes vestibulaires, pardon. Et ici, un appareil, un stroboscope qui nous permet, grâce au système rotatoire ici, de faire varier une lumière contre le mur. Et ça se fait lumière éteinte et ça fait un rééquilibrage, si on veut, au niveau du système vestibulaire. Puis c'est quand même là aussi une spécificité de l'hôpital de Delémont, qui est le centre de référence pour le canton pour la rééducation vestibulaire. Et ici, vous pouvez voir un appareil d'onde de choc. Au départ, ces appareils, c'était prévu pour les calculs rénaux. Le système était prévu pour ça. Et des Suisses ont mis au point ces appareils comme ceci, qui permettent de délivrer des ondes de choc radial. Ça permet de traiter des tendinopathies ou s'il y a des calcifications. Et là, on délivre jusqu'à 2000 coups par séance. Et c'est comme un marteau-piqueur qui vient au niveau du tendon qui est calcifié. Et en étroite collaboration avec le service de physiothérapie, nous avons l'ergothérapie qui utilise d'autres appareils, d'autres ustensiles, qui fera l'objet après
dans notre explication. Ici, le service d'ergothérapie qui est vraiment en étroite collaboration avec le service de physiothérapie.